Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens vous faire part de cette révélation reçue par la sœur Béatrice le 21 octobre 2022 concernant le dépouillement alimentaire et plus précisément sur les fruits qui viennent de Dieu et les fruits qui viennent du diable. Je lis la révélation au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les fruits qui viennent de Dieu et les fruits qui viennent du diable. Les fruits qui viennent de Dieu, ce sont des fruits avec des pépins ou noyaux pour les replanter. Le diable est un imitateur. Il a imité les fruits que Dieu a faits. Exemple, si vous achetez une tomate, regardez bien la forme, car la tomate à forme bizarre n'est pas de Dieu, mais du diable. De même pour les oranges. Les oranges avec les pépins, c'est bon, c'est de Dieu. Mais les oranges sans pépins, ou alors plus grosses que la norme, ce n'est pas de Dieu, mais du diable. Le diable imite pour nous tromper. Quand on mange des fruits qui sont de Dieu, c'est excellent pour la santé. Mais quand ça vient du diable, ce n'est pas bon, car le diable veut nous détruire. Quand on mange les choses du diable, le diable nous accuse devant Dieu en lui disant « As-tu vu? Il a mangé ce que j'ai fait. » Ça ouvre des portes. Et le diable vient devant Dieu pour nous accuser de notre péché et de notre souillure. Soyez bénis par cette révélation et que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons.